Et salut à tous et à toutes, c'est Tony de la Smoky de Famille, on se retrouve pour la partie théorique du gameplay tuto sur Harry, bien sûr le gameplay tuto qui suivra. Si vous ne vous intéressez pas à la partie théorique, je vous invite à avancer la vidéo d'une dizaine de minutes. Je mettrai une annotation de toute façon pour vous le préciser. Si jamais vous avez quitté dès le début, eh bien si vous quittez dans les 3 secondes avant que j'en parle, vous aurez déjà la notation, donc je pense que vous aurez le temps de lire. À moins que vous zappiez pendant l'intro, l'intro d'ailleurs qui est plutôt pourrie, il faudrait la changer. Si quelqu'un peut nous faire une intro, voilà, j'en profite pour demander. Merci de nous contacter. Bon, alors on commence partie théorique, donc comme on commence toujours par les spells, je vous parle pas des stats, c'est de la merde. Bon, c'est vrai que c'est un peu un minimum skillé, mais c'est pas si dur que ça quand on connaît les mécaniques. Donc le passif, gain the charge of it and that depth. Ah, depth. Whenever a spell hits an enemy, max 3 charge per spell, upon reaching 9 charge, Harry next spell heals her whenever it hits an enemy. Tout simplement, c'est un truc que vous pouvez stacker, donc jusqu'à 3 stacks par spell. Donc quand vous mettez un Q-spell sur 6 creeps, vous n'aurez que 3 charges. Quand vous mettez vos lucioles et qu'elle touche 3 creeps différents, chaque luciole vous chargera 3 stacks aussi. Et donc une fois que vous arrivez à 9, le bison n'en charge qu'un bien entendu vu que c'est mono cible. Et donc une fois que vous arrivez à 9, vous aurez du spell vent bonus, genre 30% sur votre prochain spell. Et donc personnellement, petit conseil, le mieux pour optimiser ce spell vent, c'est de claquer un Q spell sur 6 creeps et un ennemi en bonus s'il est entre 6 creeps. Et là vous régénérez énormément. C'est le meilleur truc pour régénérer. Vraiment, le Q-Spell, c'est le plus efficace. Justement, le Q-Spell, ce que j'appelle le Q-Spell, qui est ce qui, sur un clavier AZERTY comme le mien, est le A, mais je dis Q-Spell par réflexe. L'Orb of Deception. Harry sends out and pull back her orb, dealing magic damage on the way out and true damage on the way back. Donc, tout simplement, c'est une sorte de boomerang, un peu à la civière, un aller-retour, donc. Et sur l'aller, vous faites des dommages normaux. Et sur le retour, vous faites des true damage. Des true damage, tout simplement, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des damage qui traversent l'AMR. Donc si vous devez prendre la différence entre 60 true damage et 60 magic damage, c'est que les 60 true damage, peu importe votre armor, votre MR et tout, vous prendrez 60 dégâts. Et 60 magic damage, bah, si vous avez un peu d'MR, vous les réduirez, vous prendrez par exemple seulement 40. Donc voilà, c'est la seule truc. Ensuite, on passe au deuxième spell, donc le Z, Foxfire, allez, oui. Harry releases free foxfire that lock onto and attack nearby enemies. Donc tout simplement, elle invoque 3 lucioles autour d'elle, ce que moi j'appelle des lucioles. Et ces lucioles vont sur l'ennemi le plus proche. Et s'il n'y a personne à porter, elle reste autour de vous pendant une certaine durée avant de se jeter sur un ennemi. Et s'il n'y en a toujours pas, elles disparaissent bien sûr. Le troisième spell qui est le plus important sur Harry, l'un des plus importants en tout cas, puisque l'ultimate est souvent le sort le plus important, mais le bisou a l'utilité, c'est le sort qui va vous permettre d'assassiner. Pourquoi c'est le sort qui va vous permettre d'assassiner? Eh bien tout simplement, je vais commencer par le lire. Harry blows the keys that damage and charms an enemy it encounters, causing them to walk harmlessly towards her. Harry deals additional damage to recently charmed enemies. Donc vous avez entendu la partie de fin, vous faites des dommages en plus une fois que le bisou est passé sur l'ennemi qui s'est pris le bisou. Donc ça, c'est un mini bracelet de feu mortel. Et si vous avez un bracelet de feu mortel plus bisou, vous allez deal énormément de dégâts sur une seule personne. Donc voilà, c'est pas mal. Ensuite, c'est aussi votre seul CC. Et une fois que le E, enfin que le bisou est passé, il est facile de mettre votre A et votre Z. Et pour faciliter, enfin pour mettre plus facilement votre bisou, je vous conseille bien entendu d'activer votre ultimate pour vous rapprocher. Qu'est-ce que l'ultimate? On y passe tout de suite. Spirit Rush. Harry dashes forward and fire essence bolts, damaging three nearby enemy prioritized champions. Spirit Rush can be cast up to 3 times before going on cooldown. J'ai un superbe accent, je sais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que vous claquez, vous avez 3 dash à utiliser en 10-15 secondes. Si vous ne les utilisez pas en 10-15 secondes, ils disparaissent tout simplement. Et donc à chaque fois que vous mettez un dash, vous lancez une 3 lucioles, j'ai envie de dire, ouais, des sortes de lucioles qui vont toucher 3 ennemis différents et les champions en priorité s'ils sont en range de se les prendre, bien entendu. C'est votre sort d'escape. Votre sort qui vous permet justement de mettre le bisou plus facilement et de surprendre l'ennemi. Donc vraiment,
Enfin, vraiment, gérez bien vos dashs pour engage ou pour vous escape. C'est à vous de faire le bon choix. Je vous conseille aussi, à chaque fois que vous mettez un dash, d'avoir vos lucioles d'activer. Vous optimiserez les dommages, croyez-moi. Ça fera plus de dommages d'un coup, en fait, si vous activez les lucioles et l'ulti en même temps. Puisque vous aurez jusqu'à 4 lucioles qui pourront toucher, vu que l'ulti envoie des lucioles qui ne touchent qu'une seule fois un ennemi, hein. Après, ça touchera deux autres, s'il y en a à portée, bien entendu. Et donc, avec vos lucioles si les trois touchent, ben, vous mettez plus cher, ça surprend plus l'ennemi. Je trouve que c'est plus swag, plus stylé et que ça fait plus mal. Bon, voilà, c'est tout pour les spells d'Harry. Donc, on va passer à la partie rune. Donc, les runes, non, ce ne sont pas celles-là, ce sont celles-là. Donc, tout simplement, l'AMR, toujours utile sur les AP qui permet de traverser la résistance magique de. J'ai dit de l'AMR, non, la pénétration magique qui est très utile pour traverser la résistance magique de vos ennemis, tout simplement. Surtout des ADC, des AP carry qui généralement build des dégâts plutôt que de la résistance magique. Et donc, cela vous permettra d'optimiser vos dégâts en passant à travers. Surtout si vous avez un Void Staff par exemple, ou des chaussures de sorcier, vous leur ferez presque des trous damage. Même si le seul sort qui fait des trous damage, c'est le retour de votre A. Mais bon. Ça, c'est pas mal. Ensuite, l'arme. Donc, vraiment, la pénétration magique, super utile sur tous les mages. L'armor et l'AMR, j'ai pas besoin d'en parler, c'est toujours pour les mêmes raisons, hein. Voilà, vous rendez un peu plus tanky, vous êtes moins squishy en phase de lane, en team fight aussi un peu, même si ça compte un peu moins, mais surtout en phase de lane, ça vous rend la phase de lane plus simple. Et l'AP, bien sûr, vous êtes un mage, donc vous faites de l'AP. Ensuite, on passe tout de suite aux masteries. Donc, les masteries, on va commencer. On prend de la cooldown reduction, c'est le mieux. La cooldown reduction sur les AP, vous spammez plus vos spells. Et comme on build de la CDR aussi dans le stuff, c'est pas mal. Donc, téléchargement fini, hein, c'est pour ça qu'il y a eu ce son. Et donc, vraiment, c'est quelque chose de basique. Ce point aussi, de l'ability power par level, super utile sur les AP. 6 d'ability power au niveau 1, super utile sur les AP. Un mini Rabadon, super utile sur les AP. Et ça, c'est toujours des trucs classiques. Ça, encore une fois, vous êtes un assassin. Donc, deal 5% de dommages en plus sur les ennemis à 50 qui ont moins de 50% de vie. C'est super utile pour achever des ennemis. Donc, prenez-le, c'est quelque chose de pas mal. Ensuite, ça. C'est vu que vous êtes un range, c'est toujours la même chose. Vous faites plus de dégâts, mais vous en prenez plus. Néanmoins, je pense que vu que en tant qu'assassin, si vous gérez bien vos dash, vous prendrez moins de dégâts que vous en mettez. Donc, vraiment, worth it ce truc. Si vous le gérez bien, ça peut jouer en votre avantage. Si vous le gérez mal, ben, ça peut jouer en votre désavantage. Mais bon. Personnellement, je n'ai pas ce problème. Ensuite, damaging an enemy with a spell increase allied champion damage to that enemy by 1% for next 3 seconds. Vous avez quand même des sorts qui peuvent toucher jusqu'à plusieurs personnes. C'est super pour votre team, ça va les aider. Donc, vraiment, on prend ça. Ensuite, ça, à chaque fois que vous mettez une attaque, vos dégâts de spell vont faire plus mal. Jusqu'à 3% de plus, donc vous pouvez avant, si possible, mettre des auto-attaques avant de claquer un spell. Ça peut vous aider si vous y pensez, bien entendu. Ça, c'est plus un point que j'ai mis surtout parce que je ne pouvais pas le mettre ailleurs parce que c'est vraiment pourri pour Harry le reste. Et donc, on passe tout de suite au pourcentage de Magic Pen et d'Armor. L'Armor, parce que c'est avec la Magic Pen, donc on n'a pas le choix. Mais la Magic Pen, des 6%, super utile. Toujours, on essaye de faire le maximum de damage sur les personnes squishy et de les traverser. Et donc, les 3% d'increase damage, presque obligatoire, j'ai envie de dire, sur tous les persos qui build dans l'arbre offensif. C'est le truc le plus fort. C'est le truc numéro 21 et c'est balèze. Ensuite, plutôt que de partir sur de la défense, on part sur de l'utilité. Pourquoi de l'utilité? Parce qu'il y a de la mana régène. C'est assez manavore Harry avant d'avoir son Graal, donc pourquoi pas. Réduire le recall, c'est pas mal, hein, réduire le back. Franchement, ça peut vous sauver la vie à une seconde près. Vous auriez aussi pu prendre ces petits trucs de move speed, mais bon. Moi perso, j'ai pris le recall, je le sens bien comme ça, et ça permet de revenir sur sa lane plus rapidement.
Ensuite, la réduction des summoner spells par 10%, vous aurez votre flash plus souvent, votre ignite plus souvent, c'est quelque chose d'assez classique, c'est plutôt puissant. Et bien sûr, pour sustain, les potions qui durent plus longtemps et le cookie, et comme ça, vous avez une bonne régène via votre passif, et vous, franchement, cela vous assure une très bonne phase de lane. L'arbre utilité, justement, spécialisé dans la phase de lane, sauf les trois trucs ici qui vous servent surtout en late game, les 10%. Hein. Et après, bah ça, c'est pour les dégâts. Et donc voilà, je pense que j'ai tout dit sur Harry, donc on va pouvoir passer au gameplay. Donc, allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite. Et salut à tous et à toutes, c'est Tonio de la Smokey Family, on se retrouve pour la partie gameplay du gameplay tuto sur Harry, donc... C'est parti, on va vous montrer les trucs et astuces, les sorts à maxer, les astuces qui concernent la midlane, les astuces qui concernent Harry. Et donc, on est bien, je pense, et on va avoir, on va les manger tout cru. Donc je suis contre un Fizz, et honnêtement, c'est pas Fizz qui me pose problème dans leur compo, c'est clairement le Ryze, parce que une fois que je vais mettre un ulti in, mon premier dash, s'il est réactif et qu'il me cache, bah moi, je peux me faire un stand avant de pouvoir mettre mon deuxième dash out. Parce que vous allez voir comment je fonctionne. Mais en teamfight, le mieux, c'est bien sûr d'alterner dash in, dash out. Histoire de s'exposer le moins possible. Le dash out, c'est surtout pour récupérer ses CD. Pour ensuite remettre un autre dash in. Et vous aurez mis deux fois tous vos CD sans prendre de dégâts. Enfin, je vous verrai de quoi je parle. Des fois on pourra pas le faire, hein. Ça dépendra si je me fais défoncer au premier dash, parce que je me prends justement une cage de Ryze, mais bon. Donc de toute façon on va voir comment se passe la game. Moi je vais être tranquille. Alors qu'est-ce que tu fais Popilou? Je présente juste les deux abonnés qui sont avec nous, non pas lui, Gauthier12k et Champion Lulu. Youhou! Ah c'est bon, il bouge. Moi je vais pas de pool, mais ta botlane va perdre du temps quoi. Bon moi je vais aller sur ma lane tranquille, hein. De toute façon il est même pas là sur son buff et je vais pas envie de perdre de temps. Donc on est face à un cac. Donc ce qui veut dire, dès qu'on peut, on l'auto-attaque, mais on fait pas trop le malin parce que sinon on s'expose à un gang du jungle. Donc l'astuce quand on est face à un cac, c'est dès qu'il va vouloir last hit un de mes creeps, on va lui mettre un double aller-retour. Donc là vous voyez le creep qui va être low life, il va essayer de le prendre, non il est trop en retard, ok. Donc du coup il s'est avancé pour rien et je lui mets deux auto-attaques. Donc là il va se préparer à last hit ce creep, voilà. Vous voyez, hop on lui met un Q-spell, auto-attaque. Parce que je ne louperai pas de last hit. Bon j'en ai loupé un parce que j'ai raté mon auto mais... Là j'aurais pu lui mettre un Q-spell. Ok, un ignite de down. Je pense que je vais le flash Luciole dans pas longtemps. Ok, t'es mort. Quoique... Non, les potions vont le sauver. Il a plus de flash. Donc ça va. Moi je vais aussi claquer une potion. Comme ça il va bien se faire dominer. La lane push en ma faveur donc il va pas pouvoir last hit. Moi ça serait bien que j'arrive à last hit quand même. Il va essayer de choper le canon je pense. Donc s'il s'avance trop, je vais essayer de lui mettre un bisou. Je loupe pas mal de last hit. J'avoue que là... La seule chose que je ne sais pas faire sur Harry, c'est l'auto-attaque, j'arrive pas à m'y faire. Elle est plutôt bizarre. On esquive le Q, on la bisou instant parce que j'ai des bons réflexes quand même, heureusement. Et du coup, il a pris cher. J'arrive vraiment pas avec cette attaque, hein. On va maxer le Q-spell bien sûr pour un peu plus de contrôle de lane. Donc là il va essayer de... Ok. Je lui mets un aller-retour. Hein. Tu ne te barreras pas sans prendre de poc. Je pense que je vais devoir back parce que de toute façon je suis presque oom. Et si je m'avance trop vu que j'ai plus mon flash, je vais me prendre un gang du jungler. Donc il vaut mieux pour moi que je back. On va prendre un deuxième Doran.
des potions de heal de mana et une petite ward. Et on va retourner sur la lane, on va essayer de se mettre bien. Je suis un peu déçu tout à l'heure que le fils ait survécu parce que il a E avant de prendre mes trois lucioles. Sinon je l'aurais tué. On va les avoir au Q spell. Merde, j'ai surestimé ma range. Je l'ai eu avec le Kiss. Est-ce que je ne pouvais pas l'avoir sinon? Celui-là, j'aurais pu l'avoir avec un spell. C'est pas grave. Le fils qui, à mon avis, va essayer de jouer aggro face à moi. Donc je vais mettre une ward sur le flanc gauche et je vais rester sur le flanc gauche parce que ma ward est côté flanc gauche. Je vais garder cette ward pour l'instant. Je vais annoncer le SS, je veux dire... merde! Je veux dire ça. Tu. On essaye de s'appliquer sur les last hits parce que j'en loupe beaucoup trop depuis le début de partie. Et là on va essayer de lui deny quelques creeps. Donc il a claqué un E. On lui essaye de lui mettre un aller-retour. Je vais claquer ma potion de mana maintenant. Ok, toujours on essaye de lui mettre un maximum de Q spell. Malheureusement, il a de quoi se sustain avec les potions. Je vais attendre de récupérer mes CD, je peux peut-être le tuer, quoique c'est tendu. On va claquer une ward, on reste de ce côté, on sait pas pour le jungle. Il va sûrement back, je vais essayer de lui faire claquer. De lui faire claquer son dash et je pourrais le tuer après assez facilement. Vu qu'on a tous les deux pas de flash. Ok, j'ai plus de ward, on va en remettre une. Voilà, on l'outplay. Je claque la potion pour essayer de survivre. Ah, c'est les creeps qui m'ont. Je suis assez déçu, j'avoue. Bon, je savais ce qu'il allait faire, donc j'ai dash out et en même temps j'ai bisou. Puis je lui ai mis mon combo et donc j'ai essayé de le tuer avec mon ulti. Malheureusement, j'ai pris un coup de tour en trop. Je pense que je suis revenu un peu trop sous la tour du coup. C'est la conclusion qu'on peut en tirer. Non, ce n'est pas ça que je veux faire. J'ai envie de prendre un peu d'MR, plus de potions. Là, malheureusement, elle n'aura pas suffi tout à l'heure, mais bon. Peut-être qu'elle m'aidera cette fois-ci. Le problème, c'est que j'aurais aimé qu'il ne chope pas de kill, ça m'aurait mis un peu mieux. Bon, tant pis. On va faire. J'avais bien joué en plus, hein. C'est vraiment la tour qui m'a tué. Je pense que mon dash, je l'ai mis un peu trop sous la tour. J'aurais pu le tuer sans mourir. Et bon, malheureusement pour moi aussi, il a réussi à m'ignite. Les creeps me continuaient de me frapper, donc j'étais pas très bien. Donc, on va essayer de le poke. Hop, toujours on le kiss à la sortie. Ok, j'ai eu un petit lag malheureusement pour moi. Je vais claquer une potion. Donc là, il va essayer d'aller choper ses creeps. Voilà, je savais qu'il allait me go de cette manière. Il prend des free coups de tour. Wow, ce flash était bizarre. Malheureusement, je suis en danger à cause de ça. C'est bon, je vais le tuer quand même. Et je ne meurs pas. Ah si, je meurs du dot. Bon, bah je l'ai bisou instant avant qu'il ait le temps de E. Et du coup, il s'est pris des coups de tour. Moi, j'ai pas chaté de mourir. Ma potion n'aura pas suffi. C'est moi. Là, le pire, c'est que c'est moi qui est perdant. Si j'étais pas mort, ça aurait été. Mais là, je suis clairement perdant. Il a plus de flash. Donc ça va, c'est une maigre consolation vu que je l'avais claqué bêtement. Mais je suis perdant parce que regardez, c'est mon farm à moi qui s'écrase sous la tour. Donc c'est des creeps que moi je perds, de l'XP que moi je perds. Alors que lui, il ne va rien perdre. Bon, il n'a plus d'ultimate, je peux tenter de l'aggro un petit peu. C'est le point positif, moi j'ai un mauvais farm. Mais j'ai un mauvais farm parce que je suis pas très fort et il y a beaucoup d'aggro.
Je suis pas très fort à l'auto-attaque en fait, et j'ai pas encore assez d'AP pour one-shot les creeps avec mon Q-spell. On va maxer les lucioles en deuxième, bien entendu. Ok. On lui met l'aller-retour. J'ai loupé tous les creeps de la wave, vous noterez. On va mettre une ward ici. Hop, un Q-spell. Oh merde. J'ai essayé de le bisou et de le def. Bon, c'est pas grave. Alors là, regardez. J'attends de récupérer mes CD avant d'utiliser le prochain dash. Ok. Merde, je vais mourir, bêtement. Ouais, je pense que je vais mourir, malheureusement pour moi. Je le savais. Je le savais, je le savais. L'ulti dit qui est bien pété, vous avez vu comment il a couru trop vite. Bon, j'ai loupé mon bisou, donc moi aussi j'ai niqué la game de mon côté, mais bon. Ah là 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 là, ça se passe pas aussi bien que d'habitude quand je joue Harry. Malheureusement, c'est à cause de tout à l'heure, j'ai loupé un truc très bête. Je pense que tu pourrais l'avoir. Nice. Tu vas mourir malheureusement, et c'est Yi qui va choper le kill, et là on est mal. Non, Morgana pourra pas te sauver à temps. Ah, c'est vraiment dommage, hein. J'ai pas eu de chance. En fait, j'ai voulu bisou et en même temps reculer avec mon ulti pour me mettre loin. Sauf qu'à ce moment-là, lui, il a E, il a esquivé mon bisou et du coup, bah, je t'ai baisé. En plus, j'ai loupé mon Q-spell. Si tu pouvais ne pas prendre mon farm, ça m'aiderait. Bon, c'est pas grave, on va essayer de push du coup, hein. Fizz est mort. Hop, on essaie de choper tous les creeps, bien entendu. Comme il voulait last hit, on lui met toujours des petits Q-spells, c'est cadeau. Regardez, hop, il peut rien faire vu qu'il est en arrêt. Et là, il a pris un bon poke et maintenant j'ai le contrôle de la lane. En plus, j'ai un Kalis donc je ne serai pas oom. Malheureusement, il a des potions donc il va quand même régène. Là, on le voit en train de régène. Mais bon, il ne peut pas avoir les creeps là. Regarde, celui-là il a essayé de le prendre et il a pris un Q-spell. Bon, j'ai pas regardé les creeps du coup, je viens de louper un last hit. Le problème, c'est que je ne peux pas lui mettre un dash bisou vu qu'il va avoir le temps de E largement. Lui n'aura pas le canon. Ok, là il a fait de la merde. Tout simplement, j'ai esquivé son E avec mon dash, même si j'ai pris le shark après, bah il avait perdu. Un sort de DPS, sachant que le E c'est le sort qui max, tant qu'il aura pas de Lich Bane, ça sera bien pourri. Donc nous on va essayer de push, bien entendu, si possible de prendre la tour. Là il a vraiment fait de la merde. Je l'avais mis sous pression donc du coup c'était facile pour moi de gagner ce trade. On va prendre la tour, je sais pas où est Yi. Ok, nickel. Bien sûr on reste dans le rang de la tour pour avoir les golds. On va finir ce petit Athènes, comme ça on va vraiment spammer et bien sûr on va partir sur DFG. DFG qui est l'item le plus fort sur Harry. Maintenant que ma tour est down, je vais essayer de roam. Dès que j'aurai mon ulti. Là j'ai essayé, vu que j'avais pas encore gagné ma lane, maintenant elle est gagnée. Ça ne servait à rien que j'y aille. Tu vas mourir et ça me plaît pas. Est-ce que Fizz va choper un kill malheureusement? J'espère que t'as ton flash. Non, t'es mort. J'essaye d'arriver, malheureusement, je n'ai pas mes CD. Ok, je ne peux rien faire. Je n'ai pas mon ulti, malheureusement. J'ai flash dans le bush pour pas me faire surprendre. J'ai récupéré pile à temps hein, mon CD. Je vais faire attention à Yi.
Vu que vu qu'il allait mourir de la tour, j'ai bien sûr mis un autre dash out. On n'est jamais trop prudent s'il a décédé caché. Bon, j'ai récupéré mon ulti, un timing parfait. Merci la CDR. Donc il prend cher. Je vais claquer une potion, ça peut peut-être. Non. Bon, normalement ça aurait pas dû me toucher parce que mon perso était ici et le truc était là. Mais bon, lightbox c'est bizarre. Tant pis, tant pis. On va prendre des bots, ça m'aurait sauvé. Les bots, c'est ce qui me manquait. J'avais pas le SS de la bot lane malheureusement. Je l'ai eu trop tard, il était déjà sur moi quand j'ai eu le SS. Peut-être que si j'avais claqué ma potion plus tôt, je serais vivant actuellement. Bon. On meurt pas mal, mais on commence à choper des kills et mon Q-spell est assez fort pour one shot les sbires caster, donc je vais pouvoir farmer plus facilement. En plus, j'ai 20% de CDR, enfin 30% de CDR, donc je récupère mon ulti beaucoup plus souvent. 35% même via les masteries, hein. Vraiment, mon perso qui s'est complètement arrêté, j'avais pas vu, autant pour moi. Tu l'as vu, lui donne pas de kill s'il te plaît. Il est en 3-5, je l'ai assez démoli comme ça. Il a pas pu farm. Moi non plus, je n'ai pas réussi à farm, mais bon. Par contre, ouais, bon, j'essaye d'arriver. Donc on va. Ok. Donc je vais le choper. On met une ward. Ça sert à rien de claquer son ignite. Voilà pourquoi j'ai décalé. Clairement ils étaient deux. Ça sentait le dive. Hop, on se décale comme ça. On touche tous les creeps avec le retour de l'orbe. On va push la lane. Je devrais last hit, oui. Normalement, c'est bien ce qui me semblait. Je last hit les sbires caster, comme je l'avais déjà dit. Et on va back, quoique. Ça ne sert à rien de back maintenant. Donc on a mis la ward, bien sûr, pour pas face check, pour pas qu'il ait des coups d'avance. Et après, dès qu'on avait la vision sur lui, c'était facile de le dash. On garde l'ignite parce que ça serait de l'overkill. Comme ça, j'ai toujours mon ignite. J'ai mon ulti dans 20 secondes. Donc je peux aider ma team dans 20 secondes. Harry sans ulti, c'est pas hyper balèze. Pour ça que la CDR est vraiment importante. Parce que c'est la CDR. Je back pas tant que j'ai pas au moins une grosse baguette. Donc il me faut encore 300 gold. Je vais push la prochaine wave tranquillement. Je n'ai pas de ward. Donc je vais m'orienter sur le seul côté où j'en ai une. Si tu pouvais ne pas me prendre le farm, nickel. C'est gentil. Ok. Si j'avais passé le bisou, j'aurais pu lui mettre un petit peu de poke. Ça aurait pas servi à grand chose, mais bon. C'est toujours bon à prendre. Avec la prochaine wave, il y a peut-être quelque chose à faire si ma team a été plus proche à ce moment-là. Ok, je prends tout. Ok, j'ai dû claquer tous mes dashs pour back. Là, je ne peux plus les aider, malheureusement. 57 HP, ce n'est pas suffisant. J'aurais dû dash avant. Elle a été là, mon erreur. Bon, j'ai eu un peu de chance. J'ai claqué mes dashs. Avant de claquer le deuxième dash, j'ai attendu que Yi me mette le. Que Yi ait fini son animation de Q-spell. Comme ça, j'ai pu dash après, il a pas eu le temps de trop m'auto-attaque et c'est ce qui m'a sauvé. Hein. Ok, notre Yi qui a backdoor. C'était du 4v5. Hein. J'ai encore mon flash et mon ignite, j'ai ma grosse baguette. C'est bien ça, on chope un kill. Si tu peux en choper un deuxième, c'est nickel, bien joué. Tu n'en choperas pas plus malheureusement parce que c'est aussi un Yi qui est en face de toi. Aussi bizarre que ça puisse paraître, je vais back direct puisque j'ai mon DFG. Même si je venais juste de le faire. Parce que le DFG est hyper important. Il va me permettre de one shot Draven ou Yi. Le problème avec Yi, c'est qu'il a un truc de défaçage. Donc il peut esquiver mes spells. Et je peux me faire baiser. Donc je préfère clairement focus Draven qui a un flash.
Donc vous voyez, la gestion des dashs est assez importante, sinon le perso en lui-même, Harry, n'est pas si difficile que ça, je pense. C'est vraiment les dashs qu'il faut savoir enchaîner de la bonne manière. Attendre de récupérer ses lucioles avant de mettre le prochain, c'est pas mal aussi. Si tu le caches, il est mort. Dommage. S'il n'y avait pas un autre mec derrière, j'aurais peut-être pu le tuer. Ok, j'ai esquivé le grab avec un truc. Je lui ai mis DFGE, comme ça j'ai amplifié les dégâts. Et mon deuxième dash, comme je l'ai dit, c'était pour. Et bah pour esquiver le grab de Thresh. Vraiment rester concentré sur les CC. On a 3 dash. Faut tous les utiliser de la bonne manière. Voilà. La petite trick. En visant le mur, je peux mettre une ward derrière moi. C'est bon, il est mort. Ok. On l'a. Nice. Donc une fois que je suis entré dans le bush, enfin j'ai flash dans le bush pour éviter qu'il me frappe, tout simplement. Parce que je pense qu'il allait bientôt récupérer ses CD, et s'il récupérait ses CD trop tôt, c'était synonyme de mort pour moi. Alors là c'est très bien ce qui se passe bot lane, vous pouvez choper Draven aussi. Vous avez vu tout à l'heure que Draven je le one shot, donc c'est pas un problème. Il va peut-être se faire outplay, non c'est bon, bon il va mourir. Bon c'est pas mal. Tiens, viens m'aider Gauthier. Voilà, on met un Q-spell pour le pool. On va le ramener dans la flaque de Morgana. Nickel. Je lui mets pas le bisou parce que ça peut le faire reset. Je me fais souvent avoir à cause de ça. Donc j'arrive à aider. Je vais le tanker, hein. Puisque Lucian est déjà low life. Ok. Lucian était un petit peu trop. Le problème c'est que maintenant je suis un peu low life avec le blue buff plus les trucs. Heureusement j'ai mon passif de chargé, donc je vais mettre un Q-spell sur une wave entière. Voilà. Ça m'aide à régénérer un peu. Là on voit le Thresh, hein. Faut pas que je fasse le mariole. J'attends que tu claques ton Q-spell. Ça pourrait m'arranger. C'est bon, je l'ai eu. J'ai gardé mon ulti en plus. J'attendais vraiment qu'il. Là, il avait aucune chance de mettre son Q-spell parce qu'il était hors range. C'est pour ça que j'ai pu lui mettre facilement. Ok, j'ai raté. Bon, c'est pas grave. Tu vas mourir. Bon, je meurs aussi, mais regardez. Là, il y a la team derrière et c'est un team fight gagné. Normalement, vous l'avez easy. Nickel, les gars, bien joué. On va partir sur un petit Rabadon. Fizz à Rage Quit, je crois. Je ne l'ai pas vu depuis tout à l'heure. Ok, Fizz à Rage Quit. Bon, voilà. Hein. Ce qui est bien, c'est que avec DFG, même sans l'ulti, je peux one-shot n'importe qui. Yi et Draven sont mes cibles prioritaires. J'ai un peu chié ici, hein, parce qu'en plus c'était un bisou facile puisqu'il était ici le Draven. Du coup j'ai juste à le mettre là, je sais pas pourquoi je l'ai envoyé n'importe où. Enfin c'était assez bizarre. Je suis pas fier de mon move. Je vais faire des home guards. Pourquoi faire des home guards? Parce que j'ai envie d'aller aider ma team qui va se faire chase parce que là ils sont restés un peu longtemps. Bien joué le dash pour esquiver. Bonne gestion de son dash. Yi qui meurt, ok c'est nickel. La game est gagnée hein. Là tout ce que j'ai à faire c'est continuer à catch des gens avec mon DFG. Et ça passera tout seul. Vous pouvez l'avoir normalement on my way. Il va mourir lui. Ah le fils est là. Ok. Ok. Je n'avais pas besoin de claquer de dash bien entendu. Parce que j'ai attendu la fin du stun de mon partenaire, Monsieur Gauthier. Lol, est-ce qu'il meurt? Non. Ok, j'ai un peu mongolisé, mais bon, je vais le tuer avant.
J'ai raté mon bisou. Clairement. Mais bon, heureusement, je lui ai, avec DFG et tout, je peux le tuer sans placer mes skillshots. Et donc c'est la fin, donc GG. Donc voilà comment on joue à Rift. Alors on débrief rapidement. Bisous DFG à Z. Mettez vos dash pour à la fois esquiver et engage et aussi vous escape. Là on était face à un I, j'attendais que son Q spell ait fini de proc avant de dash pour m'escape. Sinon vous avez vu pas mal de fois sur Fizz, j'ai dash et bisou en même temps pour m'éloigner de lui, qui lui éviter de prendre son E et le choper à la sortie. Et donc voilà, un Ahri c'est un assassin, faut que vous décaliez, que vous essayez de faire des teamfights, des plays en solo. Et après, donc comme ça, vous avez un format avantageux, c'est-à-dire un petit 4v5 et ça fait toujours plaisir. Donc voilà, j'espère que ce gameplay tuto vous aura plu. Il y aura la fiche tuto où il y a des choses que je n'ai pas pensé à dire qui seront présentes. Il y aura des astuces. J'ai pas pu faire un bisou flash, j'y ai pas pensé, mais c'est assez efficace. De toute façon, j'ai même pas fait un flash bisou dans cette game. Mais bon, je vous en parlerai dans la fiche tuto, donc tranquille. Alors j'espère que ça vous a plu et à plus.